Au cœur de la forêt boréale du Québec se trouve une région reconnue pour ses contrastes et ses grands espaces sauvages. Bienvenue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bienvenue dans la zone boréale. On ne peut pas parler de petits fruits du Saguenay-Lac-Saint-Jean sans commencer par le bleuet. Ah, le bleuet! Cette perle bleue qui fait la fierté de notre région. Saviez-vous que le Québec est le premier producteur de bleuet sauvage en Amérique du Nord et que 85 % de la production québécoise provient de la région? Ça représente des retombées économiques de 125 millions annuellement. Mais derrière de gros chiffres et une gigantesque industrie se trouvent des gens, comme vous et moi, qui pratiquent un métier, simplement. Je me suis rendue à Albanel rencontrer Émilie Godreau des Délices du Lac-Saint-Jean, une entreprise spécialisée dans la transformation du bleuet sauvage. Je lui ai demandé de me raconter son histoire. Mon grand-père était président de la Bleutière coopérative. J'ai toujours beaucoup admiré le mouvement coopératif parce que ça a rassemblé des gens qui ont bâti une industrie qu'on connaît aujourd'hui. Hein, ouais. Il y a plusieurs intervenants, puis il y a plusieurs piliers, mais il y a aussi toute la structure coopérative qui faisait en sorte que les gens s'associent ensemble pour développer des grandes choses. Puis ça, bien, moi, c'est quelque chose qui m'émeut puis qui m'impressionne encore aujourd'hui. Mon grand-père était président de la Bleutière coopérative ici à Albanel, qui accueille 60 membres annuels pour faire la récolte. Donc, c'est 1800 acres. C'est des idées. C'est un terrain de jeu immense. Puis, il me semble que quand j'étais petite, je trouvais ça tellement beau puis tellement grand. Puis, je m'impressionnais de voir le fruit. Tu sais, c'était aussi simple. Je pense que c'est la simplicité de la chose qui m'a longtemps captivée. De fil en aiguille, là, finalement, on est venu qu'à devenir des producteurs privés aussi. Donc, on s'investit encore au niveau de la Bleutière coopérative, mais on a des terres familiales qu'on exploite depuis, je vous dirais, je pense que ça fait à peu près une vingtaine d'années. Donc, encore là, ça fait... Quand j'avais 8 ans, on était déjà en train de bâtir des bleuetières, c'est-à-dire défricher le sol puis commencer à travailler le sol pour pouvoir faire la production. Puis, c'était comme un peu... ça s'est placé sur mon chemin. Il y a une bleuetière qui est tombée avant dans la friche à sa méthode. Elle était près de celle de mon père. Ça facilite largement les travaux. Ouais. Puis j'ai eu l'occasion de pouvoir l'acheter, puis j'étais vraiment heureuse. Mais tu sais, ça a été de ramasser les sous pour le faire, puis de passer à l'action. À ce moment, Émilie avait 15 ans. 15 ans et déjà pleine d'ambition. Elle continue de croire en la force de l'industrie du bleuet sauvage et pense qu'il faut redonner à ce petit fruit ses lettres de noblesse. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'elle a fait, avec sa mère et sa sœur, l'acquisition de Délices du Lac-Saint-Jean en 2014. Ensemble, elles ont développé un économisé consacré au bleuet sauvage. Toi, la mission que tu t'es donnée, c'est de faire briller ce petit fruit-là exact. Qui est emblématique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Parce que moi, je voudrais là, que je me suis rendu compte qu'avec le temps, les gens de l'extérieur de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean donnent quasiment plus d'importance aux fruits que ce que nous-mêmes, on en donne. Mmh. Tu sais, ils nous appellent les bleuets. Ça vient partie de notre identité. T'sais, ça fait partie un peu de notre ADN en tant que région et en tant que population. Je me dis que c'est le fun de pouvoir mettre une lumière sur... Ben, c'est comment qu'on fait, là? Même des gens qui habitent ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de quelle façon on produit le bleuet? Mm. Pourquoi on parle de bleuetière puis qu'on parle pas de bleuet cultivé, tu sais? Comment qu'on peut encore parler de bleuet sauvage si on sait qu'on est en bleuetière? Bien, en fait, il y en a une chose à se rappeler par rapport à l'industrie du bleuet, là, c'est qu'on peut pas le planter. On peut pas le transplanter. On peut pas le réimplanter. Donc, l'industrie du bleuet sauvage, ça, c'est les trois grandes bases. Puis ça, c'est ce qu'on se répète à chacun des clients qui arrivent ici. On leur inculque cette information-là. Pourquoi? Le bleuet, on peut l'aider à prendre l'expansion là où il est. Fait qu'on décidera jamais de pouvoir implanter une bleuetière là où on veut. On va partir de... On va marcher un lot à bois. On va se rendre compte que c'est une forêt qui est intéressante parce que c'était du cyprès, du pin gris ou de l'épinette, des choses comme ça. On a un sol de sablonneux. Mais là, on va faire une coupe forestière complète. Si on l'avait vu, parce que là, au début, il fallait avoir vu les talles de bleuet. Ouais. Donc, les talles, là, elles, là, si tu leur donnes la lumière, là, la racine va se déployer dans le sol, puis ça va devenir des bleuetières. On aide ce qui est déjà là à prendre de la place. On fait l'irradiation des herbes, des intrants sauvages. On fait... Mais si le bleuet ne veut pas pousser, là, pourquoi on appelle ça sauvage encore aujourd'hui? C'est qu'on n'a pas modifié non plus le plant. Donc, il n'y en a pas beaucoup de fruits là, qui n'est pas modifié. Mm. On laisse vivre chacune des espèces qui est à l'intérieur.
C'est ça. On donne le terrain, mais après ça, on ne peut pas rien rapporter au niveau du sol. Donc, le bleuet sauvage, même si les gens pensent que c'est parce que c'est pas cueilli en forêt, mais en fait, on fait juste tasser un petit peu la forêt pour laisser place aux plants. Aujourd'hui, le plus grand compétiteur du bleuet sauvage, c'est le bleuet en corymbe. Dans un monde idéal, on consommerait du bleuet sauvage surgelé plutôt que ceux qui nous proviennent du Chili. J'ai demandé à Émilie de me parler de la différence entre les deux. Le bleuet de corymbe, c'est le bleuet qu'on connaît puis qu'on consomme. Bien, pas moi, mais que des gens peuvent consommer au supermarché à l'année. Donc, le petit casseau qu'on voit, les fruits sont beaucoup plus gros, sont beaucoup plus froncés. Donc, on ne voit plus la pruine qu'on connaît du bleuet de Saguenay-Lac-Saint-Jean ici. On a un petit bleu pâle. Le bleuet de corymbe, c'est un bleuet qui a été développé dans le courant des années 1930-1940. C'est deux chercheurs américains qui se sont penchés sur le bleuet sauvage. Puis ils ont dit qu'il faut être capable de reproduire ça puis faire de la masse parce qu'il est merveilleux, notre fruit, mais pour le commercialiser, c'est une grosse structure. C'est difficile parce qu'on l'a un mois par année. Donc, on crée un besoin au consommateur puis on n'est pas capable de renvoyer sur le reste la demande. Donc, une demande annuelle, on n'est pas capable de combler, ce qui est normal, mis à part si on fait surgelé. Là, ces chercheurs-là se sont basés sur ce fruit-là. Ils ont développé un bleuet de corymbe, mais à partir du raisin puis du bleuet sauvage. On a fait une hybridation et cette hybridation-là a provoqué les cultures de bleuet cultivées qu'on connaît aujourd'hui. Okay. Il n'y a pas si longtemps encore, on parlait pratiquement pas de ce fruit-là parce que, bon, on en retrouvait à l'échelle de quoi, 2-10 millions à l'échelle planétaire, ce qui n'était pas très, très important. Mais aujourd'hui, c'est des quantités monstres qui se retrouvent sur les marchés, ce qui fait en sorte que, bon, ça vient un peu jouer dans les pattes du bleuet sauvage. Le bleuet sauvage, c'est une des seules industries fruitières à travers le monde qui n'a aucun étendage d'insecticides directement sur les fruits. On n'a pas de cire. Mais je pense que ça, c'est important de faire justement valoir les vertus positives du fruit pour que, automatiquement, le consommateur se dise « Ah, bien, c'est sûr que si mon fruit, le bleuet de corymbe que j'achète à l'épicerie arrive du Chili, puis il est encore beau quand il est rendu à Albanel au Bonichois, bien forcément qu'il a dû subir une petite transformation là, pour être capable de subvenir à tout ça. Parce que la perle bleue d'ici est délicate. Tu sais, il faut y faire attention, sinon elle s'humidifie rapidement. Là. Puis au niveau des valeurs nutritives, c'est pas la même chose. Non, exactement. C'est vraiment pas la même réalité. Bien qu'il y a beaucoup de variétés qui commencent à se développer davantage sur le bleuet cultivé, mais tu sais, le bleuet sauvage, et par son caractère boréal ou nordique, le fait qu'on soit dans une région plus éloignée, mais dans un climat beaucoup plus froid, puis il y a des écarts de température plus importants, fait en sorte que c'est un fruit qui se développe de façon différente. Les valeurs nutritionnelles au niveau des polyphénols, des antioxydants et des poids de fruits. Puis juste faire un test à la maison, tu vois ça avec tes enfants, ils vont trouver ça drôle, là. On prend un bleuet sauvage, on l'écrase dans notre main. On prend un bleuet de corymbe, puis on l'écrase dans notre main. Vous allez avoir deux constats complètement différents. Le bleuet sauvage, hein, il reste une tache mauve, là. Ouais. À la limite, un peu tannante, mais ouais. qui va rester quasiment 2 ou 3 jours. Mais cette tache-là, c'est elle qui libère les antioxydants. C'est ça. Mmh. C'est pour ça que beaucoup de nutritionnistes et diététistes nous parlent de consommer des fruits et des légumes qui sont colorés. Bien, on le retrouve par ça. C'est le splash de valeur nutritionnelle qui se développe de tout ça. Qu'est-ce que tu trouves désolant dans cette habitude-là de consommer un fruit sans se poser de questions, de prendre le bleuet de corymbe? Oui, bien, c'est exactement ça. C'est le fait qu'on ne se pose pas de questions sur la provenance, sur les valeurs nutritionnelles. Puis pas tant qu'en tant que consommateur, on se pose pas de questions, parce que je trouve qu'on a déjà beaucoup de questions à se poser au quotidien. Mais je me demande pourquoi, bon, il y a la régie des fruits et légumes et tout ça. Pourquoi on ne publicise pas davantage le fait que c'est pas la même chose? C'est pourquoi que, tu sais, on se distingue beaucoup maintenant, hein, le bleuet. Là, c'est rare qu'on va entendre parler comme étant seulement le bleuet de la région, c'est le bleuet sauvage. Ouais. Le bleuet sauvage de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on s'identifie beaucoup comme ça maintenant. Ouais. Mais il faut faire une plus grande distinction. Parce que, tu sais, les gens qui consomment du bleuet de corymbe, c'est correct, c'est parfait, mais il faut savoir pourquoi on consomme. Puis beaucoup de gens ne savent pas la différence entre les deux. Donc, je pense que ça va passer beaucoup par l'éducation, d'informer les gens à leur panier d'épicerie, puis l'origine, de quelle façon c'est produit. L'histoire de l'industrie du bleuet sauvage est presque aussi vieille que celle de la région. Dans le temps, les gens partaient par milliers participer à la cueillette du bleuet au mois d'août. On campait dans le bois, récoltait sans cesse pour ainsi bonifier le revenu familial. C'est l'arrivée du chemin de fer en Robertval en 1880 qui constitue une plaque tournante. C'est le point de départ de l'exportation du bleuet à travers le monde. On peut comprendre d'où vient l'association identitaire. Voilà pourquoi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on nous appelle les bleuets. Oui, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a le bleuet.
mais on voit se populariser de plus en plus de petits fruits nordiques. Il faut bien se diversifier si on veut une certaine autonomie alimentaire. Le plus populaire des petits fruits émergents, c'est la Camerise. Pour en parler, je me suis rendue à Saint-Cœur-de-Marie, tout près d'Alma, pour y rencontrer Martine Girard de chez Végétolab. Végétolab, c'est un laboratoire de culture in vitro et de multiplication de semences. Il se spécialise dans des cultivars productifs et adaptés à nos conditions nordiques. C'est une pouponnière à arbres à fruits et autres plants, comme des patates. Parle-moi du début de la Camerise, parce que c'est quand même quelque chose qui est nouveau au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis ça a tellement une belle histoire. Ça a été issu d'un voyage qui a eu lieu en Saskatchewan en 2007, dans lequel Végétolab était là. C'est un groupe de personnes qui sont parties avec le ministère de l'Agriculture, qui sont allées en Saskatchewan, et puis qui sont allées visiter les essais. Puis quand le groupe ont vu la cerise, puis la Camerise, ils ont dit « ça, ça fait ». Parce que la Camerise, le premier critère qu'elle avait, c'est qu'elle pouvait résister à des températures de moins 47. Puis la fleur peut résister à un gel de moins 7. Donc, ça garantit une production, surtout dans notre région, parce que c'est un climat très nordique. Puis on essaie beaucoup de faire, puis il n'y a pas beaucoup de choses qui réussissent. Donc, on a une réussite assurée à ce niveau-là. Ça fait que suite à cette visite-là, en revenant... les gens dans l'autobus, les gens dans le transport ont décidé de baptiser ça de la Camerise parce qu'il n'y avait pas de nom. Ça n'avait même pas de nom. Ça n'avait pas de nom. Ça n'existe pas. Puis je ne pense pas que Camerise existe dans le dictionnaire. Okay. Donc, moi, je te garantis que non parce que j'ai tout le temps des fautes quand j'essaie de l'écrire dans mes documents. Mais ben, dans le fond, les gens, en revenant, ils ont parlé qu'il fallait que ça soit un nom qui sonne doux, qui passe bien. Ça fait qu'ils ont baptisé ça Camerise. Mm. Donc, en plus d'être à la naissance d'une industrie, on est à la naissance d'un nom. On a rapatrié des plants ici par l'Université de la Saskatchewan. On a fait de la multiplication. On a planté un verger d'essai ici à côté. Puis on a commencé à vendre à des gens qui n'avaient pas goûté, mais qui croyaient au produit. Ça veut dire que les producteurs qui ont commencé la production de Camerise, ils ne savaient pas nécessairement dans quoi ils s'embarquaient, là. Ils connaissaient le plant. Ils connaissaient... On parlait du fruit. Oui, puis on disait le goût, on disait la rusticité, okay. Puis on disait d'avoir la foi. Okay. En réalité. Donc, les gens ont investi des sous sur la foi que les gens qui étaient allés en Saskatchewan avaient vu quelque chose quand même d'extraordinaire. Donc là, on est en 2007. Combien ça a pris de temps avant d'avoir les premiers fruits au Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'avoir les résultats? En 2012-2013, on a commencé à avoir des rendements. Dans le fond, les plants ici, comme tu peux voir, ils poussent dans une gélose. Une gélose, c'est une recette adaptée. Dans la gélose, c'est adapté, mettons, à chaque espèce de plante puis à chaque cultivar. Puis un cultivar, ben toi, tu es un cultivar, moi, je suis un cultivar. Mm. Ça fait que là, lui, c'est le Indigo Jam. Okay. Donc, il y a un milieu adapté pour lui. Il pousse sans racines. Mm. Puis le principe, c'est quand ça pousse, on coupe, on fait des multiplications. Puis au stade final, on va mettre une autre gélose qui va être une recette différente. Pour faire des racines. Puis là, la racine va se faire. Là, la plante va arrêter de croître, mais elle va plutôt faire de la racine. Et que c'est beau! Ça n'a pas de bon sens. C'est bon. Donne-moi les avantages à procéder par hybridation comme ça. Si on regarde la Camerise, elle est indigène dans les forêts. Elle va être presque pas productive, elle va donner un petit fruit qui est quand même sucré. Donc, il y a un potentiel là qui est intéressant, mais si on prend cette plante-là puis on veut la planter dans nos vergers, on n'aura presque pas de rendement puis on n'aura pas quelque chose qui est intéressant. C'est pas ce que le consommateur recherche. C'est pour ça que les hybrideurs, comme M. Boss, il s'est ramassé une collection de plants qu'il prend dans le nord de la Russie, dans le nord du Japon, dans le nord du Canada. Il va prélever les pollens, qui va polliniser, ils vont abrier les fleurs, puis avec ça, il va ramasser les graines, il va planter, puis ce que ça va donner à l'autre bout, il va sélectionner les plants qui vont venir gros, qui ont une belle croissance, qui ont un beau feuillage, puis que le fruit va être très gros et très sucré. Et puis à chaque année, il va repartir de cette hybridation-là pour réaméliorer encore son produit, ce qui fait qu'il sort tout le temps des nouveautés qui sont de plus en plus meilleures, donc qui sont moins maladifs, qui vont demander beaucoup moins de produits. Comme la Camerise, elle exige presque pas de produits.
même s'ils ne sont pas certifiés biologiques, la plupart sont biologiques parce que, justement, il n'y a pas de produits dedans. Puis ça fait du rendement pour les producteurs. Donc, ça les encourage à faire des vergers pour approvisionner la population en fruits. Tous ces gens-là mettent un effort pour développer des plantes qui vont avoir des fruits améliorés dessus. C'est pas de la manipulation génétique, c'est du croisement de pollen. Il y a d'autres petits fruits nordiques que vous travaillez ici. Oui. Des petits fruits qui sont bien adaptés à notre climat, à notre géographie, à nos sols au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Peux-tu me donner quelques exemples? Bien, ici, nous autres, on travaille la mélange. La mélange, si on veut aider le commun des mortels qui sont habitués, surtout les personnes plus âgées, c'est la petite poire sauvage, okay, qu'eux autres appelaient en forêt. Par contre, nous, c'est des cultivars améliorés qui ont été développés en Saskatchewan également. Donc, ça, c'est un fruit que j'appelle très sucré. Okay. C'est-à-dire, même pas mûr, il est bon. On produit également de l'aronia, qui est bien adapté à nos sols, qui fait des bons rendements. C'est une très belle plante. Les fruits, par contre, demandent à être cuisinés. On a l'argousier, qui est un plant magnifique. C'est beau, c'est décoratif. Il fait autant au niveau de la cuisine que la décoration extérieure sur un parterre, là, qui donne des beaux fruits oranges, qui, lui, demande à être transformé. On a toutes les séries gadelle, groseille, cassis. On a les kiwis qui sont rustiques. On a les vignes, la vigne Somerset pour les raisins de table. On a les cerises Esca, qui sont des cerises, on va dire, comme amères. C'est des cerises que tu cuisines pour faire des tartes, des confitures. Puis quand on a goûté à ça, on vient de rajouter une palette très intéressante là, dans notre culture. Puis on a aussi la cerise BCI, qui est un peu plus petite, qui est plus sucrée également là-dedans. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné un bleuet dans une bleuetière avec des critères très particuliers. Ça prenait un plant robuste, un fruit bleu, poudre, sucré, gros, productif. Donc ça, ce plant-là, on le multiplie puis on le vend à des bleuetières, justement, qui, eux autres, veulent faire de l'autocueillette, donc ils ont des bons cultivars. Là, ils sont garantis que le cultivar est sucré. Qu'est-ce qu'on peut rêver pour la Camerise dans 10 ans, par exemple? Moi, je pense que la Camerise, ça ne l'arrêtera pas. Ça va être le fruit de l'avenir à cause de son potentiel de culture qui est adapté au climat nordique. Le plant est tellement pas exigeant, est tellement pas maladif. Le fruit est tellement bon que là, on a la génération de nos enfants qui, eux, commencent à s'habituer à ce goût-là. Ces enfants-là, ça va faire partie de leur culture. C'est une industrie qui va prendre son envol. La Camerise s'est rapidement taillée une place dans notre paysage agricole. Mais ce n'est pas le seul petit fruit nordique qui gagne en popularité. À mélange, argousier, aronie, l'offre est en train de se transformer rapidement sur les tablettes des marchands, mais encore plus rapidement sur les menus des restaurants. J'ai donné rendez-vous à David Janel, chef et propriétaire du restaurant La Cuisine, pour en discuter. Et je lui ai demandé lesquels étaient ses préférés. Ben, le bleuet, c'est sûr que tout le monde le connaît, mais là, tu sais, on a plein de nouveaux qui arrivent un peu, qui étaient méconnus avant, mais qui commencent à être plus sur la carte, comme justement l'argousier ou la camerise, qui sont la mélange aussi, qui sont un peu les nouveaux fruits. Ou même l'argousier est comme maintenant appelé comme un peu un super aliment aussi. Ah oui. Parce que c'est un des aliments qui est complet, le plus complet. Il possède 30 fois plus de vitamine C que l'orange. Mm. Aussi, il y a beaucoup d'acides gras aussi, d'oméga 7. Ça ressemble à quoi ou à la saveur, l'argousier? C'est une petite baie qui est acide et astringente. Je dirais que ça a vraiment son odeur appropriée. Je connais aucun autre fruit qui a la même senteur qui dégage de ça. Il faut quand même aller chercher des odeurs un peu exotiques aussi, mais avec un autre côté plus ancien, plus vieilli un peu. Ouais. Mais tu sais, on peut sentir des notes de mangue un peu, des choses comme ça quand même à travers ça. Mais c'est vraiment typique. Le bleuet, l'argousier, quel autre? Que tu travailles puis que tu connais bien puis que tu aimes travailler. La mélange aussi que j'aime bien, qui est une belle petite baie aussi. Puis ça, c'est une des baies aussi qui est au Québec depuis longtemps, au Canada même. Ouais. On l'appelle aussi la Saskatoonberry. Mm-hmm. Saskatoon, fait que, tu sais, on voit un peu son nom. Mais ça, c'est utilisé dans le temps avec les Amérindiens. Ils faisaient les pemmicans. C'était le premier fruit qui était intégré. T'sais, ils faisaient sécher le viande avec le gras animal. Ils se faisaient une genre de barre tendre nutritive avec ça. Ça, c'était le fruit qui intégrait là-dedans. C'était comme dans les premiers fruits un peu qu'ils découvraient même avant le bleuet et les produits comme ça.
As-tu commencé à travailler avec la Camerise, qu'on voit vraiment de plus en plus dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean? Bien, moi, la Camerise, ça fait déjà quelques années quand même que je l'utilise, oui. Je l'avais connue à l'entremise des amis avec la tournée des chefs à m'amener. Puis c'est là que j'ai appris à la connaître un petit peu plus, à la travailler. C'est un beau petit fruit aussi que j'adore, qui est le fun. Frais, il y a vraiment une texture le fun. Gélatineuse un peu, légèrement acide, un peu sucré aussi. Mais c'est un produit qui est super intéressant à travailler aussi avec. Est-ce que tu penses que les gens sont prêts? On est-tu capable d'utiliser vraiment, de faire une tarte à Camerise? Ou on est-tu capable de remplacer complètement les fruits par les petits fruits nordiques ou ça demeure un ingrédient pour venir assaisonner? Ou... Bien, avec le travail, avec les années, les gens quand même aussi maintenant sont rendus qui veulent manger local. On est capable d'y arriver. Moi, je dirais que plus ça va, plus je commence à faire des changements comme ça. Je suis même en train d'enlever la vanille du restaurant. Ah oui? Oh, oui, je remplace ça par le mililo, la fleur à miel. Ah oui. Fait que tu vas aller chercher des notes un peu de vanille, d'amande aussi, mais ça vient d'ici. Mm. Fait que c'est ça qui est plaisant. Puis le monde sont là parce qu'ils sont rendus plus prêts à découvrir aussi qu'avant. Comme là, présentement, avec le kilomètre 12, j'ai créé un nouveau cocktail. C'est un peu j'ai comme fait un genre de gin tonic, mais revisité un peu, mais avec l'argousier. Fait que je vais prendre le gin, je vais mettre un peu de gelée de sapin dedans, je vais prendre le tonic, mais au lieu de mettre de la lime, c'est là que je vais ajouter de l'argousier, qui a le côté plus acide à travers ça. Fait que ça va te donner un peu le même aspect, sauf c'est sûr que tu vas aller chercher la saveur quand même de l'argousier, mais tu vas aller chercher le même genre de sensation en bouche que d'en boire un vrai. Comment qu'on fait pour découvrir ces petits fruits-là? Parce que c'est pas, tu sais, comme monsieur, madame, tout le monde, il va à l'épicerie, puis il regarde, puis à un moment donné, il voit une carambole ou il voit quelque chose qui est prêt à découvrir. Mais là, tous nos beaux petits fruits nordiques, ils sont pas sur les tablettes, là. Bien, pas encore, parce qu'ils commencent. Mais si on va dans tous les genres de petits marchés fermiers ou des choses comme ça, on peut en trouver plus facilement. Même ici, à la baie, on est rendu avec des pancartes autocueillettes de Camerise. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, on voit qu'il y a... un pas qui s'est fait sur les petits fruits puis tout ça, le monde sont plus intéressés, commencent à plus les connaître aussi. Puis justement, nous, on a commencé à les travailler, fait que le monde commence à les connaître aussi. Parce que vous ne pouvez pas, les restaurateurs, on est un peu un pilier aussi pour faire découvrir tous les produits un peu qu'il y a de la région. Parce que le monde ne se promène pas partout non plus. Mm-hmm. Saguenay-Lac-Saint-Jean est un pays assez large. C'est vaste, oui. Hein. Fait que on commence tranquillement à se faire connaître. Puis je pense que moi-même, des clients me demandent où est-ce que je peux en trouver ou des choses comme ça de temps en temps. As-tu des questions sur la carte quand tu utilises des petits fruits comme ça? Est-ce que les gens se posent des questions? Est-ce que sont prêts à essayer? Puis amène-moi ça, c'est toujours différentes clientèles pour ça. Okay. T'en as qui sont prêtes, qui vont fermer les yeux et vont dire « Fais-moi découvrir » ou « Fais-moi manger ce que tu veux, ça va me faire plaisir ». Mais t'en as d'autres qui vont être plus réticents un peu à des choses comme ça aussi. Il y a des gens conservateurs. Hein. Mm-hmm. Les autres, c'est le bleuet, puis tu me changeras pas le bleuet pour la Camerise. Non, rien de là. Fait que, non, je pense qu'on va y arriver. Fait combien d'années que tu es en restauration, David? En totalité, présentement, ça va faire 17 ans, quasiment 18 ans là, que je travaille en cuisine. Quand tu as commencé, est-ce qu'on en parlait de ces petits fruits-là? Non. Non. Pas du tout. Pas du tout. Il y avait la mélange que j'avais entendu parler dans mes débuts. C'était un peu le premier fruit qu'on avait. Puis je dirais que c'est vraiment plus là, dans les 4-5 dernières années là, que les autres ont commencé à faire plus leur apparition. Plus il est disponible, plus il va être là, puis plus on en parle, bien, plus le monde va tenter de l'essayer, puis à l'intérieur, leur cuisine aussi. Puis oui, tout à fait, pourquoi pas faire une tarte aux Camerises au lieu d'une tarte au bleuet. Ou... Le monde est à nos pieds quand on veut, on peut faire ce qu'on veut. Il suffit juste de se le dire, puis de le faire, puis d'essayer de changer les choses un peu. J'ai compris que le bleuet sauvage faisait vraiment partie de l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une industrie gigantesque dans la région. Les récoltes et le prix à la livre ont encore une incidence directe sur l'économie régionale. Mais le bleuet n'est pas le seul petit fruit nordique qui réussit ici. La Camerise a un avenir prometteur et on la voit prendre de l'ampleur parce que des gens comme Végétolab y ont vu un potentiel et y ont cru. Peut-on rêver d'un avenir aussi prometteur pour la mélange, l'argousier, la renie? L'apport des chefs est tellement important dans la démocratisation de ces aliments. Quand on arrive avec des petits fruits mal connus, soit parce qu'ils sont nouveaux, soit parce qu'ils ont été oubliés, on a besoin d'y goûter, de voir ce qu'on peut en faire, pour arriver un jour à avoir assez confiance pour l'acheter et le cuisiner. L'une des tendances dominantes en alimentation, c'est les aliments santé. Cette tendance est et sera bénéfique pour les petits fruits nordiques. Le développement durable est aussi une variable importante dans le choix du consommateur. On ne veut pas de produits chimiques, d'OGM, de surutilisation des terres ou d'exploitation humaine.
il y a une place pour les produits d'ici. Bien sûr, la présence d'éléments nutritifs et nutraceutiques et les méthodes de production aident à la commercialisation du bleuet sauvage, malgré le fait que le bleuet de Corrèze soit disponible à l'année. Il faut miser davantage sur l'éducation. Continuez d'expliquer que le bleuet sauvage et bleuet de Corrèze sont deux fruits complètement différents. En tant que consommateur, on a une responsabilité. Faire ses provisions et ses congélations en saison, acheter des petits fruits d'ici congelés en épicerie. Peu importe, il faut privilégier sauvage et congelé à frais et importés. D'abord pour notre santé et ensuite pour l'économie régionale. C'est maintenant le moment où je vous parle de mes entreprises chouchou, des produits que j'adore. Donc, je vous parle premièrement de la Schwab, mais aussi de la fromagerie Blackburn. La Schwab, donc, une ferme brassicole. Ça veut dire que c'est sur la ferme qu'on cultive les céréales, comme le blé ou l'orge et le houblon qui sont utilisés pour faire la bière. Et la bière est d'ailleurs transformée directement sur la ferme. Ce sont des produits de très haute qualité, certifiés biologiques. J'ai avec moi la blonde, la blanche, la rousse et la noire. Des bières qui sont fantastiques et que je vous invite d'aller déguster directement au salon de dégustation qui est situé sur le boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien. Vous allez y passer une excellente soirée, j'en suis convaincue. Je suis contente de vous parler de la fromagerie Blackburn, une fromagerie que j'affectionne tout particulièrement au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nouvelle image pour la fromagerie depuis quelques mois déjà, mais toujours les mêmes bons produits. J'ai avec moi le Napoléon, le Mont-Jacob et le Blackburn, trois fromages qui ont gagné de nombreux prix. La fromagerie Blackburn, c'est une entreprise familiale. Il y a d'abord la ferme sur laquelle on fait une production maraîchère, mais aussi une production laitière. C'est seulement les produits de la ferme laitière qu'on transforme à la fromagerie. Puis la fromagerie est encore tout jeune, ça fait seulement une dizaine d'années qu'elle est là. Elle est arrivée en même temps que la quatrième génération qui s'est jointe à l'équipe. Donc, ce sont des fromages que vous allez adorer découvrir, soit sur des croutons, des craquelins, du pain, mais aussi apprenez à les cuisiner parce que cuisiner avec des produits locaux, ça fait la différence.